Mais vous êtes là? Eh oui, j'ai toujours pas posé ma serre. Bon, bah, comme il n'y a pas trop de vent, je vais en profiter pour vous faire un petit tour. Ça fait un mois que je n'ai pas donné de nouvelles, donc. On va faire un petit journal de bord du mois de juin. Donc là, je suis toujours sur ma serre. Donc j'ai juste posé les deux pignons, et comme c'est une bâche enterrée, j'ai besoin de faire des tranchées le long. Donc comme j'ai la mini pelle, j'en profite. C'était la première fois que je l'utilisais, comme là le problème c'est que la tranchée elle n'est pas dans l'axe de la mini pelle, elle est sur le côté. Donc pour ça il y a possibilité de décaler la flèche, hein. Si on regarde, la tourelle est par là et la flèche est à 45 degrés sur le côté. Ce qui permet de creuser le long de mon cordeau. Je mets la terre sur le côté. Donc la terre sur le côté, ben, y a deux choses. Ça c'est le dessus avec toutes les racines, etc. Et ça c'est ce qu'il y a plus profond. Comme ça, quand je remets, ça me permet de remettre plus. Donc là, en pignon, c'est posé, hein, c'est enterré. Et de l'autre côté, la tranchée est faite. Hein, donc même principe, hein, tas de terre du dessus, tas de terre du dessous. Mais il me reste à faire l'autre pour pouvoir mettre la bâche et enterrer. Dans la serre, bah, y a pas grand chose de planté. Si, il y a des concombres. Il y a 6 pieds de concombres là et un pied de courgette là sous la table. Donc j'ai une table à semis. Ça, j'ai mes tomates qui sont déjà là, ça fera tard, mais bon, on mangera des tomates à l'automne, plutôt que les manger l'été. Parce qu'on sera, quand on sera en vacances, on sera pas là pour les ramasser. Là, j'ai ramené mes essais de chêne, hein, on voit que tout est pas reparti, mais j'en ai quand même certains qui sont repartis. Donc, quand je remets la terre, ben, j'enlève encore des cailloux, quoi. Hein. Donc les cailloux, ils vont pas très loin. Ça sert à rien de multiplier les trajets. Je continue à faire ma zone ici, là, qui est ma zone de passage. Donc à rempierrer de manière à ce que quand ça sera humide cet hiver, la voiture puisse passer plus facilement. Au bout là-haut, j'ai pas installé. Là, on s'aperçoit que j'ai mon tombereau allemand qui est sorti. Pourquoi il est sorti? Parce que j'ai ramené ma remorque ici. Ma remorque de tracteur qu'il faut que je remette en état pour en faire un plateau. Parce que j'ai déjà ramené une première cuve à eau. J'en ai une deuxième à ramener. Donc ça va me faire mon château d'eau. Pour pouvoir arroser la serre qui est ici. À côté, on retrouve mes plants qui sont pour la haie. Hein. Donc mes acacias ont pris un sacré coup de chaud là. Au début des chaleurs, j'avais oublié je les ai rempotés. Hein. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai la caravane qui est rendue là. Enfin, ma carcasse de caravane. Elle était dans le coin là-bas où il reste tout le tas. Là, je l'ai sorti au godet. Hein. Donc, il faut que je ramène tout ça ici dedans et qu'après, bah, tout ce qui est polystyrène, etc., je fasse un tour à la déchetterie. Dans la zone derrière la maison, j'ai continué un peu calmement. Donc là, on s'aperçoit que j'ai un sacré tri, quoi. Donc là, il va falloir que je remette au propre parce que j'ai du bois, etc. dessous, quoi. Le but, c'est de dégager toute cette zone-là
pour pouvoir traiter les fougères et aussi pour pouvoir racler et sortir le fer mécaniquement par la suite. Le problème, c'est que j'avais beaucoup de choses sur le côté, donc là, c'est des tuyaux de PVC qui étaient là. J'avais mes troncs de... mes grumes de laurier aussi qui étaient en travers. Et là, on s'aperçoit qu'il me reste des plaques fibro, des clapiers démontés. Et derrière, là, dans ce bouchon de ronces, j'ai encore trois rangées de clapiers derrière. Donc j'y vais tranquillement de manière à pouvoir tourner autour, dégager. Et après, on viendra racler au godet, on évacuera tout ce qui a évacué. Et après, on viendra gratter au godet râteau pour faire un semblant de sol. J'ai toujours pas touché à ma grume, mais je vais dégager derrière la maison avant. Une fois que la bâche de la serre sera finie de poser, le but c'est entre la mini pelle et là sur 10 mètres de long, bien dégager cette zone-là de manière à pouvoir mettre une bâche et sur cette bâche mettre tout ce que j'ai sur celle-là ainsi que du bois que je veux récupérer derrière parce que là sur cette bâche-là j'ai un abri tunnel sur le même modèle de la serre à monter. Mais en 12 mètres de long à monter. Donc il faut que je dégage. Il va falloir que je vire mon tas de bois ici aussi. Là, la cuve, j'attendais de la vider pour la ramener à côté de l'autre, de manière à en avoir deux. Là, j'ai commencé à donner un coup au sol pour remettre place, sachant qu'il me reste toute la zone là-bas à faire. Là, je voudrais dégager une zone de 5 mètres sur 5 mètres, donc ça va globalement jusqu'au piquet. J'ai pas fini. Et au niveau du jardin, les petits pois, c'est une catastrophe. Au niveau de la pépinière, j'ai certains cerisiers qui sont partis, mais pas tous. De toute façon, c'est encore tôt pour le dire, donc j'attends. Là, vous avez une bande ici que j'ai commencé à dégager. J'ai planté, j'ai fait ça hier. J'ai planté des... J'ai pas planté, j'ai semé des haricots. Là, sous la serre, c'est aussi dégagé, mais j'ai remis le vieux foin, etc., parce que le sol est pas top. Et là, pareil, j'ai dégagé une autre zone aussi, qui est la dernière que j'ai retournée, de manière à mettre, je vais mettre poireaux-carottes. Donc là, les deux lignes de carottes sont semées, là. Et entre les lignes de carottes, donc j'en mettrai trois, je mettrai trois lignes de poireaux. Ça fera dense, mais c'est pas plus mal comme ça. Les campagnols auront plus de boulot pour tout bouffer. Donc là, j'ai pas encore fini de dégager. J'ai mes pommes de terre spontanées qu'il va falloir que je ramasse là. Mes fraisiers, je ne les aurais pas bougés cette année. Donc là, j'ai enlevé les grilles qu'il y avait dessus. Pourquoi? Parce que derrière, pareil, j'ai commencé à dégager une rentrée. J'ai mis 3 pieds de courgettes et 6 pieds de choux de Bruxelles. Et comme j'ai les lapins qui sont revenus, lièvres aussi, j'ai mis mes cages grillagées qui normalement servent pour les fraisiers. Je les ai mis sur mes plants pour éviter de me faire brouter mes plants avant qu'ils soient implantés, donc après qu'ils repartent pas. Et là, j'ai commencé à dégager. Le but, c'est de dégager toute cette zone-là, remettre un paillage, donc soit vieux foin, soit chose comme ça, et remettre une bâche sur toute cette partie-là, sachant que mes fraisiers, je les mettrai au bout. Parce que là, avant de mettre ces tôles qu'il faut que je récupère pour mon toit du garage, j'avais mis du broyat. Et mon broyat, maintenant j'ai un vrai vrai terreau là, le long. Donc je vais dégager
ma bande le long du jardin, là, de manière à faire propre, poser une bâche tissée, et à l'automne, je transférerai mes fraisiers ici. Et l'autre partie ira se rabâcher en attendant le printemps. Voilà, donc pas de grandes avancées, mais on prend son temps, on y va peinard. Normalement, le maçon revient cette semaine, aujourd'hui ou demain, donc on verra pour finir le chantier, donc on verra ce que ça donne. Mais j'attends de le voir sur mon chantier pour y croire. Donc là, le kiwi, j'ai toujours pas, il me reste encore un câble à finir là, il faut que je me recoupure, mais la structure a tenu, donc bon, c'est un sacré bazar parce que j'ai remonté les manches, les branches, mais je ferai le tri à cet automne pour lui refaire une taille, mais au moins là, il est en hauteur. Les cerisiers, je ne sais pas s'ils repartiront tous, hein. Bon, il y en a certains qui sont bons, il y en a certains comme celui-là où j'ai un gros doute, mais celui-là c'est pas bien grave parce que comme j'ai un pied de figuier ici et un pied de figuier ici, il aurait été, ils vont se rejoindre les pieds de figuier, donc c'est pas bien grave s'il n'y a rien au milieu, mais par contre j'en ai d'autres qui sont bien repartis, hein. Et le reste de la haie, là, même si je ne l'ai pas arrosé, ça a l'air de bien tenir. Il y a une ou deux feuilles jaunes, il faut que j'aille voir ça, là, pour donner un coup d'arrosoir. Et il faut surtout que j'accroche mes arbustes pour qu'ils grimpent. Donc le kiwi, pas mal de fleurs cette année encore. Donc on attend que les fruits se forment pour voir ce que ça va donner. Mais ça devrait pas être mal. Donc là, il n'y a rien qui a changé. Ça, c'est une tôle que j'ai sortie pour faire l'allée centrale dans ma serre, là où j'ai pas travaillé le sol. Et les tôles que je récupère dessous, je les mets toutes là parce que ça sera pour mettre sur le haut du garage quand on enlèvera les évrites pour accéder à la charpente. On posera ça à la place, ça sera plus facile pour accéder. J'ai commencé un peu le sol aussi là pour dégager le coin, mais j'ai arrêté. Donc il faut que je reprenne plus tard. Bon, ben, je pense avoir assez parlé là. Donc je vais vous dire une prochaine, peut-être en fin de semaine si le maçon a fait les ouvertures d'ici là, ou en tout cas ben, quand j'aurai le temps. Allez, kenavo!